Salut tout le monde, c'est Rookie. Aujourd'hui, le programme de la vidéo, c'est faire un jeu d'armes sur plusieurs Call of Duty différents. Le jeu d'armes, c'est un mode de jeu emblématique des opus Call of Duty et on va le revisiter du coup. Tout d'abord, on ira sur Modern Warfare 3. Puis on ira sur Black Ops 4, Modern Warfare 2, ensuite Black Ops Cold War et enfin on terminera sur World at War 2. C'est parti. Ok, jeu d'armes sur MW3, let's go! Eh merde! Oh dommage. Wow. Wow, dommage. Merde, mais je regarde pas ma map. Ouah, j'arrive dans un... Un jeu d'armes là qui a déjà commencé. Mais bon, ça, le premier il a 4, je suis déjà à 2. Jeu d'armes sur Firing Range de nuit, c'est trop bien ça. Cible la tête. J'ai eu Seraph. C'est trop bien ça. Sur Black Ops 4 du coup les amis. Seraph neutralisé. Menace neutralisée. Merde. Un de moins. Ennemi mort au combat. Waouh. Allez, si je le fais bien, il y a moyen. Infirmier ennemi neutralisé. Waouh. Faut que je colle au cul du premier là. Ça peut aller vite, hein. Ça peut aller très vite. Ah,
Nomade refroidi. Ah l'enfoiré. Outrider éliminé. Ah! Waouh! Nomade refroidi. Il est pas mort. Il est pas mort. Non mais frère. Non. Ok. Jeu d'armes sur MW2 de 2022. Let's go. Jeu d'armes. Éliminez le type avec chaque arme pour gagner. Le mec. Ça c'est une benne pour moi. Ça aussi. Ça aussi. Ouah, ça pas du tout. Wow. Let's go! Wouhou! Vous avez fait du bon boulot. Je me suis régalé. Incroyable mais vrai, après au moins un quart d'heure d'attente, on a réussi à trouver une partie sur Black Ops Cold War en mode jeu d'armes. Je connais pas du tout la map, mais ça, on s'en fout. Jeu d'armes.
Quelle efficacité. Oh, dommage. J'ai du retard. Oh non, non, c'est dégueulasse. Le petit top 3. Alors pour cette game sur World at War 2, c'est trop lors de l'enregistrement et du coup malheureusement on n'aura pas le son du jeu. Vu que c'est des défis qui sont pas forcément faciles à faire, j'avoue que j'ai pas retenté de le faire et je me suis attardé sur les autres Call of Duty. Donc là on est sur la map Flak Tower je crois. Et donc du coup je viens de faire mon premier kill, je cherche les ennemis parce que du coup comme on peut voir sur le drone, la minimap en haut à gauche, bah ils apparaissent de temps en temps. Donc là je fais une assistance, là je fais mon deuxième kill. Je sais qu'il y a un mec dans le coin, mais comme je suis un peu low en santé, je m'en vais. Là je tombe sur un autre, je prends le fight, je l'ai. Là j'ai fusil à pompe, donc là il faut être au corps à corps. Hop, je remarque un mec AFK, je me précipite pour avoir le kill avant de me faire tuer. Je renais avec, il me semble, le bar plutôt. Et là, c'est un spawn où je vais rester plutôt pas mal de temps. Donc là, c'est toujours le même mec AFK. Je retourne dans le bunker, le bloco. C'est un mec qui campe en haut dans l'escalier. Et finalement, sa position, elle est assez stratégique. Parce qu'il y a énormément de passages en coin et en plus on a une fenêtre pour avoir la vue sur la cour à côté. Donc là je le tue et je vais essayer de garder la position. Donc là je vais mettre un garant, donc c'est du coup par coup. Donc faut pas trop que je rate mon coup. Hop, je me mets donc à droite de l'entrée, donc à gauche pour moi. Là j'ai je crois que c'est le tromblon. Ouais, alors lui c'est pareil, c'est du corps à corps. Donc là il faut que je me colle à la porte. Hop, j'arrive à avoir le kill parce que c'est munitions incendiaires, donc j'ai eu de la chance. Là, j'ai la Brenne, la fameuse Brenne. Je change d'angle pour pas être non plus toujours lisible. Pareil, je rechange d'angle. Là, j'ai la carabine qui est donc du coup par coup, qui one shot surtout dans la tête. Donc j'arrive à faire mon kill. Là, je reprends ma position, ma ligne. On est à 19, c'est assez serré. J'aimerais prendre de l'écart et là je me doute que c'est l'AFK, donc c'est pour ça que j'en profite. Hein. Je veux dire, que ce soit moi ou les autres, tout le monde va en profiter, donc il n'y a pas de raison. Là je me fais tuer en revenant, toujours dans ce point stratégique que je vais essayer de reprendre le plus vite possible. Avec donc du coup ma mitrailleuse. Ce sont des armes qu'on revoit beaucoup sur Vanguard aussi, hein. C'est marrant ça. Les évolutions des armes, des maps entre Call of Duty, il y a beaucoup quand même de similitudes. Bon, là je continue avec mon revolver, je vais voir un mec, je vais louper mes premières balles, donc je vais le courir après. Heureusement il met pas trop de temps à recharger. J'arrive à choper le kill, là j'ai le bazooka c'est de la merde. Et là, encore une fois, la troisième et la dernière fois, je sais qu'il y a l'AFK. Enfin je m'en doute donc j'en profite, hop, double revolver, j'arrive à avoir le kill. Là il y a un autre qui me fonce dessus, c'est parfait pour le shotgun. Et là, j'ai le couteau. Je sais pas trop comment m'en servir. Enfin, pour lancer le Tomahawk. Mais c'est comme sur les autres Call of Duty. Donc j'ai un peu de choke, j'avoue. Là, je le teste. Je sais que j'ai énormément d'écart. Donc ça me rassure. J'ai un peu le temps quand même pour sécuriser la victoire. Je sais qu'il y a quelqu'un en dessous de moi. J'entends tirer. Je sais qu'il y a même deux personnes. Je vois le dernier. Je lui lance. On n'entendra pas. Mais il y a eu un petit cri de victoire quand même. Et donc voilà. Pour la mission jeu d'armes sur World at War 2. Voilà les amis, la vidéo d'aujourd'hui est finie. J'espère que vous kiffez le principe et même de manière générale
mes dernières vidéos sur ma chaîne où je revisite des anciens Call of Duty. Moi, j'apprécie vraiment ce concept. Donc, si vous avez des idées de projets, de vidéos à faire, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à faire un tour également sur ma chaîne où j'ai fait des vidéos récemment sur Black Ops 1 notamment. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.